Maître Black Oya, homme de droit. Attention, attention. Groupage Signy Logistics vous offre les prix imbattables du transport Italie-Cameroun. Et ce n'est pas tout. Désormais, hors de l'Italie, Signy Logistics est à votre service. Pour vos transports de marchandises, voitures, conteneurs, la meilleure adresse, c'est Signy Logistics. Contact Italie Direct et WhatsApp 0039 33 13 17 05 90 ou 0039 33 49 44 70 23. Cameroun 00237 6 96 79 31 56. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu. Alaï Waladio, Obidi Bari Bidi Bidi. Bouba Manga de Chicago. La tour de contrôle de Chicago. En réalité, les Américains devraient te payer pour la promotion de Chicago que tu fais. Parce que si un Camerounais, pour ne pas dire un Africain, parle de Chicago aujourd'hui, c'est grâce à toi, Bouba. C'est-à-dire, toi, tu es la représentation valable de Chicago. Bouba Mangal de Chicago. Quand tu me fais un petit truc comme ça dans le téléphone, Bouba, je suis content. Je suis content, mais tu t'aimes souvent trop, Bouba. Tu t'aimes souvent trop. Pourtant, c'est quelque chose de simple. Tu prends ton téléphone, tu vis, et puis... Bonjour, maître. Bonjour. Mais je suis très fâchée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes à mon domicile, hein? Moi, je vous reçois ici, j'ai envie de dire, parce que j'ai un cœur humaniste. Sinon, en réalité, ce n'est pas un lieu de service ici. Vous connaissez mes bureaux à Aquanor. Vous connaissez mes bureaux. Mais quand vous venez chez moi, vous venez avec une telle brutalité, ça ne m'enchante pas. Maître, je suis allé dans votre bureau à Aquanor. Je ne vous ai pas trouvé là-bas. J'ai pensé que sûrement vous étiez encore à la maison, raison pour laquelle je suis là. En fait, maître, je suis une ONG. Ma dignité avant tout. Votre dignité avant tout? Oui, maître. Qui a enlevé votre dignité? Qui vous a pris votre dignité? Les histoires de Septec là que je vois, que je vois sur Internet, vous aussi on a balancé vos photos là-bas? En fait, maître, je suis venu porter plainte contre le président de l'Assemblée nationale. Maître, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ceci. Comment se fait-il qu'au 21e siècle, et en plus en 2021, que quelqu'un puisse se permettre de rassembler autant pour moi tout un peuple dans sa cour et les distribuer de l'argent comme des orphelins? Vous parlez là du très honorable. Je sais de qui vous parlez. Je sais de qui vous parlez. Madame, écoutez-moi bien. On dit que c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Le macabo qui avait refusé, quand tu essayes, ça te gratte. Mais il faut le savoir. Si vous avez accepté quelque chose hier et que les gens sont habitués, mais acceptez-le. Quand l'élection arrive, on vous appelle comment? Bétail électoral. Ce sont les élites de cette communauté-là qui ont l'habitude de dire que le nord, le grand nord, c'est le bétail électoral. Tu sais ce que bétail c'est quoi? Le bétail c'est quoi? Pourquoi vous ne vous plaignez pas en ce moment en lui disant « Ne nous traitez plus de bétail électoral ». Un bétail, c'est quoi? C'est un peu la nourriture qu'on nourrit les animaux avec, les chèvres, les moutons et tout ça. Qui ne dit même pas que dans leur cœur, ils disent que vous êtes les moutons? Que vous êtes les chèvres? Qui ne dit pas ça? Donc, si vous avez commencé par accepter certaines choses, ça va vous rattraper. Et en plus, quand il donne son argent, vous êtes libre de prendre ou de refuser. Si vous voulez trop garder votre dignité, refusez. Vous croyez qu'il est bête? Vous croyez qu'il ne sait pas que, avec l'argent qu'il vous partage comme des orphelins, jusqu'à en filmant mais partout sur Facebook là, vous croyez qu'il ne sait pas qu'avec ça, s'il crée une entreprise, il peut vous donner du travail, vous permettre d'avoir 10 000 éternellement? Vous savez qu'il ne sait pas? Vous croyez qu'il ne sait pas ça? Il sait très bien ce qu'il fait. Madame, vous savez ce qu'on appelle le rapport de pouvoir? Dans le rapport de pouvoir, celui qui a ne veut pas que celui sur qui il extrait tout ce qu'il a là se mette dans la même position ou dans la position de celui qui a aussi. Donc, il maintient la personne dans la situation de difficulté pour continuer à le manipuler. Mais c'est ce qui se passe.
C'est ce qui se passe. Le Grand Nord, c'est la région où il y a le moins d'eau à boire. C'est-à-dire que les gens ont les problèmes d'eau, ils boivent dans les flaques d'eau. Mais attends, vous croyez que le très honorable ne sait pas qu'il aurait pu faire les points d'eau avec pour que les gens aient de l'eau? Le Grand Nord, c'est l'endroit où on nous montre les écoles, où les gens fréquentent dans des conditions et tout ça là. Vous croyez que le très honorable ne sait pas qu'il aurait pu construire quelques écoles avec ou réhabiliter les écoles? Il le sait. Mais si vous mettez certaines conditions, vous allez vous prendre au sérieux et commencer à réfléchir. Il vous garde dans la position, vous ne réfléchissez pas. Madame, c'est ça. Mais vous êtes aussi libre de prendre son argent, vous n'allez pas prendre. Hein? Il ne vous a pas forcé. Il a pris son argent, vous êtes libre de prendre ou de ne pas prendre. Voilà, c'est ça. J'ai cru toquer la bonne porte en venant vous voir, maître. Vraiment, je suis déçue. Vous croyez que je suis comme ceux qui disaient ce que vous voulez entendre? Mais il faut que ça change dans ce pays. Bonjour, maître. Bonjour. Je suis très déçu. On est où là? On est dans quel pays? On est au Cameroun. On est au Cameroun, vert, rouge, jaune. Ce sont les couleurs de notre drapeau. Vert, rouge, jaune. Paix, travail, patrie. Maître, je viens comme ça me plaindre contre le président de l'Assemblée nationale. Pour fédéralisme précipité. Fédéralisme précipité. D'abord que le fédéralisme au Cameroun, quand tu commences à parler de ça, tu deviens un ennemi de ceux qui sont là. Mais toi, est-ce que c'est le président de l'Assemblée nationale, lui, qui peut faire le fédéralisme? Tu te trompes de sujet, mon frère Félicé. Je dis, hein, quand on parle de fédéralisme, il refuse. Mais maintenant, là, c'est lui qui est en train de vouloir faire le fédéralisme précipité. C'est quoi? Il a fait quoi pour que tu dises qu'il a fait le fédéralisme? Explique-moi. C'est pas toi qui as dit tout à l'heure que tu es au Cameroun? Comment tu fais comme si tu ne le connais pas? Il a délocalisé une partie de l'Assemblée nationale pour le mettre dans son village. Amaroua. C'est toi qui dis, hein? Et c'est ça que tu appelles le fédéralisme précipité? C'est ou bien ça? Le fédéralisme... Non. Monsieur, ce n'est pas le fédéralisme. Ce n'est pas le fédéralisme. Il est fatigué. Non, le père veut gérer l'Assemblée depuis le village. Il est fatigué. Attends, je lui ai fait, écoute d'abord son nom. Hein. On ne dit pas honorable, on dit le très, très honorable. Le très, très honorable. Donc, ça peut être honorable à très, très devant. Faites très attention. Et autre chose, vous savez, quand vous voulez tromper les gens, au point de chercher à vous tromper vous-même, vous finissez par perdre la raison. Hein. Oui! Parce qu'il y a des gens ici, d'ailleurs, ils se vantent que je suis allé en Europe, j'ai refait ma santé, j'ai changé mon sang, et moi j'ai ri. J'ai dit, mais allez aussi en Europe changer les os. On peut changer le sang, mais pas les os. Tu peux tromper les gens que je n'ai pas l'âge, ça ne pèse pas, je peux encore. Mais tes os te disent que, tu ne peux plus. Le père s'est rendu compte que faire la route de Maroua, Yaoundé tout le temps, même l'avion, c'est fatigant. C'est comme ça qu'il a délocalisé le bureau, un de ses bureaux, là-bas. Donc, il a signé un décret qui lui permet désormais de signer les documents, de travailler depuis son village. Je te dis quelque chose. C'est là où j'ai l'habitude de dire que dans ce pays, il y a des gens qui donnent l'impression qu'ils sont des vrais Camerounais et que nous autres, nous sommes des locataires. Moi, je ne serais pas surpris qu'un matin je me lève et qu'on me dise que désormais, parce qu'on respire de l'air dans ce pays, il faut qu'on commence à payer une taxe. Non, il y a ceux qui ont l'impression que le pays leur appartient et qui peuvent nous imposer ce qu'ils veulent. Nous, on marche. Je ne serais pas surpris hein, qu'un matin je me lève et qu'on me dise que non, poulet, que l'on respire dans ce pays, on va commencer à payer un per diem tous les mois. C'est revu que 2%. Je ne serais pas surpris. Parce qu'il y a des gens, quand tu regardes les fonctionnements, tu as comme impression que dans leur tête, ils savent qu'ils sont éternels. C'est pourquoi tu vois même, quand il y a les concours dans ce pays, les nominations, tu entends les noms des morts. Tu vois que les noms là, c'est pas hasard, c'est même pas par hasard. C'est parce que dans la tête, on savait que ces personnes étaient éternelles. On ne sait même plus à savoir si les gens la vivent, si les gens ne vivent pas. On nomme seulement. Quand je regarde le fonctionnement de certains dirigeants de ce pays, j'ai comme impression que les gens-là, même quand ils seront morts, ils vont mettre les bureaux dans leur tombe. Partir avec nous. Je t'assure.
J'ai l'impression qu'ils vont délocaliser les bureaux dans leur tombe pour partir avec. Parce que si tes os commencent à te dire que tu ne peux plus, ta tête même te dit que je ne peux plus réfléchir comme je réfléchissais avant. Tu insistes quoi? Maître, vous êtes fort. Hein. Vous pouvez même être un docteur. Hein. On peut changer le sang, mais les os là, jamais. Il y a même notre défenseur central, là, Nkala Kongo. Mm-hmm. Ah, il avait insisté. Il a insisté. Quand le jeu a envoyé le ballon comme ça, il a dit que tu ne peux pas. Il suit le jeu. Il a dit tu peux. Il dit oui. Le jeu a recassé comme ça. Quand il a le sang, ça fait cac. Il a dit papa va marquer. Va marquer au tu laisses mon os. Je te dis. docteur maître. Je vais laisser. Prochainement, non? Ok, prochainement. On n'y peut rien. Tiens, je devais passer un coup de fil. Oh. Maître. Oui. Moi, je suis fâché. Tu es fâché de quoi? Oui, moi, je suis fâché. C'est même quel système, ça? Le ne dit pas dépasser le gari, maître. Hein? Le ne dit pas dépasser le gari. Ça veut dire quoi? Oui, le tapioca a dépassé l'eau. C'est quel monde, ça? C'est l'eau qui a dépassé le tapioca. Tu comprends pas ce que tu dis? C'est l'eau qui a dépassé le tapioca, monsieur. Mais, pas que toi-même. You become, you don't get spirit. Yeah, parce que tu crois que je suis un bootman. Mais maître, avec le système qui est en train de waka là, ouais. la jeunesse est fâchée, maître. Mais c'est quel système ça que les pintades veulent nous bringer? La jeunesse ne doit plus expérimenter son savoir. Ça veut dire quoi? Les vieux là, ils ne veulent pas nous sentir aussi qu'on les choue. La carte grise qu'on a ici là. Je comprends pas ce que tu... Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Maître. Tu utilises tes termes de bandits, je comprends pas. Maître. Je constate moi-même d'abord. Oui. Hein? Les vieux qui ne veulent pas... que les jeunes les chouent comment ils sont go school. Ils ont loué à leur proposer pour la bonne gouvernance. Comme ils ne veulent pas, Saint-A. Mais nous-mêmes, on te demande d'aller... où on décide les lois là. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Oui. Oui. Tu les touriques. Oui. Que s'ils ne veulent pas commander là-bas, oui. Laisser la place aux jeunes. Oui. Hein? On doit mettre leur bureau maintenant au troisième niveau. Voilà. Et pour go maintenant à leur bureau, ils ne choisissent plus là ça. Les enseignements, les escaliers. Ils vont monter les enseignements. Les escaliers, ils montent les escaliers là. Pendant un mois. Ça, c'est le test qu'ils vont pas. Tu veux tuer les pères des gens? Tu veux tuer les grands-pères, ça c'est les arrières grands-pères des gens. Hein. Ils nous laissent alors. Ils laissent la jeunesse. Mais vous les jeunes, vous demandez toujours qu'ils nous laissent, ils nous laissent, ils nous laissent. Mais vous êtes les premiers à... Vous avez bu l'équivalent du vouri la dernière fois. Vous êtes les premiers à fumer votre truc de mimiléato là et tout ça là. Vous êtes les champions en agression et tout ça là. Si vous-même vous voulez qu'ils vous laissent, commencez d'abord par poser des actes qui montrent que vous voulez vraiment prendre la place. Maître. Tout ça est ici, là. Oui. C'est ici. Va alors te préparer à prendre la place. Mais va te préparer à prendre la place. Si on te dit maintenant que tu viens, bon, si toi, là, on te dit, prends la place, tu vas faire quoi? Maître. Oui. Moi, je vais te chou ça. Donc, les jours qu'on t'appelle que, ok, c'est bon, viens prendre la place. C'est moi que tu veux mettre. Oui. Donc, tu es inutile. Maître. C'est ma voix c'est pour défendre. C'est pour défendre. Tu défends quoi? Je défends que les dimans là, ils arrêtent de nous embrouiller. Vous levez seulement pour bavarder. Pour bavarder, pour reprocher à quelqu'un quelque chose, soit toi-même déjà un exemple. Voilà. Et puis exemple, non? Pourquoi toi-même tu ne doutes pas alors? Donc toi tu es content. Tu veux que je l'ai tout dit, c'est que toi moi, j'ai quel problème. En dehors de la chaleur que ça me chauffe dans la bise là, j'ai quel problème? Je n'ai aucun problème, aucun. J'ai des amis comme les Ngandu. Moi, j'ai aucun problème. Donc, tu go me lèves. On me confirme que tu es une pintade de sauter vrai.
Encore le type-ci. Encore toi. Allô? Mais mon frère, j'ai dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Tu me fais une petite promesse. Tu me tournes comme le ventilateur. Petit 50 euros que tu vas me donner, il faut que j'attrape d'avoir les vertiges. Chaque jour, non, je suis sorti, c'était déjà fermé, non, il n'y a pas d'endroit, non, et tout. Mon frère, sache une chose, hein. Je suis pauvre financièrement, mais je ne suis pas pauvre en termes d'information. Qui ne sait pas qu'en ce moment, quand tu es en Suisse, quand tu veux faire n'importe quel transfert d'argent, tu passes seulement en bien en luxus. J'ai toutes les informations. Rue Rintras 54, code postal 4600. Dans la ville de Holten, tu fais le transfert, mais tu peux faire le retrait sur tout le territoire. Et les gars-là sont rapides et fiables, ils ne traînent même pas. Hey, mon frère, écoute, en bien en luxus, ne fais pas seulement dans les transferts d'argent. Hein. Oui, ils font aussi dans la vente des sacs de qualité supérieure, les marques les plus demandées et recommandées dans le monde. Tu as vu déjà des sacs, quand tu arrêtes comme ça, tu passes quelque part, il y a les bandits. Ça dit non, non, ne passe pas là-bas, il y a les bandits, ne passe pas là-bas, il y a les bandits. Les sacs avec système d'alarme naturelle, ils font dans ça. Non! Ils font aussi dans les cheveux, les greffes brésiliennes. Pas le genre de greffes que certains benguis arrivent ici, là. Rien que le deux pour te chasser de la maison. Parce qu'il y a les greffes ici dehors, quand tu veux zouker avec une fille, tu as comme l'impression qu'une souris est morte dans la greffe. Non, non, ils font les greffes avec le parfum. Les greffes avec le parfum, oui, ils font dans tout ça. Tu as même vu les gaines pour femmes, non? Je ne peux pas tout expliquer au téléphone, je ne peux pas, regarde. Toi-même, fais un tour là-bas, tu regardes, tu vas me dire. Fais un tour là-bas. Et les gars-là sont fiables, ils sont rapides. Bon, papa, pardon, tu vas me faire le transfert là, non? Ok, j'attends alors. Ambiana & Luxus est situé du côté de Holten en Suisse à l'adresse Ringstrasse 54, code postal 4600. Pour vos transferts et retraits RIA, une seule adresse, Ambiana & Luxus. Sans oublier les Orange Money et autres transferts. Ambiana & Luxus, c'est la vente des billets d'avion pour vos destinations dans le monde depuis la Suisse. C'est la vente des sacs avec certificat d'authenticité, des mèches brésiliennes, mèches indiennes, perruques, greffes, gaines pour femmes. Vous pouvez commander au numéro 0041 76 426 10 05 et également au Cameroun au numéro 00237 653 14 64 67 ou au 00237 656 34 28 66 par WhatsApp ou appel direct. Ambiana & Luxus, la qualité au prix imbattable. Même pas deux minutes, le gars m'a fait le transfert d'argent. Ça veut dire que le type la connaissait en bien en luxus. Il voulait seulement me déranger. Voilà ça. Ils sont rapides. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat, alias Black Oya le Métis. Humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Enfants, arrêtez de vous abuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah! Arachide, beignet, caramel, bonbon, concha. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.